fait partie des trois partenaires qui ont initié le projet de manège avec Animact et la Maison de l'Emploi et de l'Insertion et de la Formation, la MEF de Paris-Saclay. La finalité de l'action, c'est de construire un manège pour les Guinguettes de l'Yvette, qui est un festival qui a lieu depuis 30 ans sur les rives de l'Yvette entre Palaiseau et Villebon, qui accueille comme ça du public, ça peut aller jusqu'à 10 000 personnes sur un week-end. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on construise un manège pour ce festival avec des gens. On s'est rapproché de la MEF qui nous a proposé de mettre en place un dispositif d'insertion, de mobilisation ou de remobilisation pour des demandeurs d'emploi de longue durée. Là, c'est le module de construction et il y a deux autres modules qui sont des modules de remobilisation avec un coach emploi et un module de découverte des métiers, à la fois des métiers du recyclage, mais aussi les métiers du spectacle vivant et de l'animation. Ce qui est intéressant et ce qui est vraiment sympa avec ce projet, c'est qu'il a mobilisé énormément de monde. Il a intéressé beaucoup d'acteurs du plateau de Saclay. À la fois les acteurs de l'insertion qui ont donné des matériaux, mais aussi des entreprises comme Bouygues Construction qui a donné tout le matériel de sécurité, toutes les EPI. On est accueilli là dans un bâtiment qui appartient à l'EPA, donc l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay, qui a aussi trouvé ce projet intéressant et nous a mis à disposition ses locaux pour pouvoir le réaliser. Ce sera vraiment un manège écologique, quoi. Du début jusqu'à la fin, de la récupération, du recyclage des matériaux à son fonctionnement.